Qu'est-ce qui fait encore courir Nordin Oubali? Sa ceinture de champion du monde conquise à Las Vegas. À l'heure de la défendre, le Français se prépare au Kazakhstan, loin des siens, loin de tout. Le prix à payer pour son combat face au Japonais Takuma Inoue, son challenger officiel. Ce sera à Tokyo jeudi prochain, devant 30 000 supporters nippons. C'est risqué, mais Nordin est un boxeur à l'ancienne, prêt à relever tous les défis. J'ai envie de marquer mon histoire et j'ai envie de continuer de la marquer, mon histoire. Chaque titre que j'ai fait là à l'heure actuelle, je les ai fait à l'étranger. C'est une bonne chose pour moi aussi de faire triompher la boxe tricolore dans le monde entier. Montrer qu'en France, on est de très bons boxeurs et on n'est pas des boxeurs avec des carrières gérées. Donc, comme je dis, je suis le champion du monde et je vais le prouver. Almaty, au pied des montagnes kazakhs, c'est un plan B. Toutes les portes des salles d'entraînement au Japon se sont refermées devant Nordin. Au pays du soleil levant, on est patriote avant tout. Aucun boxeur japonais n'a accepté de l'aider dans sa préparation. Les frères Oubali ont construit leur succès en famille. La ceinture de champion du monde n'a rien changé. Ali à la baguette et Nordin à la manœuvre. Position, descend 20-20. Toi ! Un duo inséparable. Ensemble, ils sont arrivés au sommet. Ensemble, ils veulent le rester. Je m'entraîne toujours aussi dur, car je sais que mon adversaire, j'ai connu cette sensation, vouloir aller chercher le titre. Donc le plus dur, c'est pas d'avoir le titre, c'est de le garder. Entraînement et repos. Le quotidien de Nordin est un rituel immuable. Il mange et dort boxe, mais chaque soir, il redevient un père de famille à distance. Oh bah, je vois ça, c'est juste pour pas qu'elle marche pieds nus sur le sol. À 6000 km de sa femme et sa fille d'à peine 2 ans. Il ne les a pas vus depuis 3 longues semaines. T'as fait la balance, Omar. Fais un gros bisou comme ça, moi. Voilà, bravo, Alia. Ma fille, je la vois grandir de jour en jour, hein, par téléphone. En 2-3 jours, je vois vraiment qu'elle a évolué. Même là, je vois qu'elle fait des choses qu'elle ne faisait pas avant que je parte. Ça me rassure parce qu'elle se développe très bien, puis la maman prend soin d'elle. Puis en même temps, il y a aussi un côté qui dit ben, je rate des choses que je pourrais pas rattraper, mais malgré ça, je sais aussi pourquoi je l'ai fait. Sa seule sortie de la semaine, la prière du vendredi à la mosquée. Au milieu des fidèles trop nombreux pour être tous à l'intérieur, Nordin prie beaucoup pour ses proches et un peu pour lui. Le noblard reste un sport dangereux. Les accidents sont rares, mais la mort de 4 boxeurs pros cette année est là pour nous le rappeler. Le mois dernier, Patrick Day ne s'est jamais relevé d'un KO. L'Américain de 27 ans était pourtant l'un des meilleurs de sa catégorie. Comme on dit, on joue au foot, mais on ne joue pas à la boxe. Quand on monte sur le ring, il peut tout se passer. Le plus important, c'est la santé, c'est pas les titres, on le sait très bien. Donc surtout quand on s'entraîne dur et aussi j'ai besoin de me recueillir et de me recentrer sur moi-même pour savoir qu'il y a qu'une personne tout là-haut qui veille à mes intérêts et qui protège aussi mon intégrité physique. Et tout le monde, tu vas lui prendre la tête avec ton bras avant, il va se jeter et là tu vas le contrer. Tranquillement, très bien avec ton bras avant. Comment faire la tête hein? Bon, dernière mise de gants avant le combat. Travaille bien en ligne, travaille bien avec ton buste. 8 rounds de 3 minutes et des sparring qui s'enchaînent. C'est les gabarits pour l'adversaire. Parfait. 4 Kazakhs et un Nigérian payé 10 euros le round pour bousculer le champion. Nordin est venu au Kazakhstan pour une opposition de qualité. Très bien. Tu vois ce qui se passe? Ces boxeurs sont tous sauf des sacs de frappe, durcir l'entraînement pour rendre le combat facile. Ouais, les Kazakhs, ils sont forts. Et puis, comme vous avez vu, il y a des boxeurs qui sont plus lourds que moi. Donc, c'est bien parce que, faut chercher cette dureté, cette envie.
Et comme on a pu constater, ils vont pas de main morte et c'était le but. Qu'est-ce qui fait courir Nordine Oubali ? Marquer encore un peu plus l'histoire de la boxe. Unifier les quatre ceintures dans sa catégorie. Devenir incontestable et incontesté. Un exploit qu'aucun boxeur français n'a jamais réalisé.